Le 91e régiment d'infanterie Lannure qui présente son petit théâtre aux armées. Messieurs les officiers, monsieur le général. Monsieur le colonel. Lieutenant-colonel. Monsieur le commandant. Capitaine. Monsieur. Ah, monsieur le capitaine. Oh, capitaine. Oh, capitaine. Capitaine. Monsieur le lieutenant. Oh. Monsieur le sergent-chef. Sergent. Ah, sergent, on a un sergent. Oh, on a un sergent. Sergent. Un sergent. Monsieur le caporal-chef. Présent. Ouais. Messieurs les caporaux. Ouais. De toute façon, les autres, on s'en fout. Et les maréchaux des logis, c'est du nougat. Là, c'est chez nougat. C'est chez nougat. Messieurs les officiers, en vos grades, titres, fonctions et qualités. Et la troupe. La première compagnie, la plus brave, du 91e régiment d'infanterie de France, le plus brave. Et fier, heureux et honoré de vous présenter en ce jour, lui aussi fier, heureux et honoré, sous cette belle voûte étoilée, non bétonnée, qui jadis a vu passer tant d'âmes fières de héros à la poitrine d'airain et au regard d'acier, je suis heureux Je suis heureux de vous présenter, venant tout droit de la capitale, issu des meilleurs cabarets, moi qu'on ait pu trouver, des artistes, que dis-je des artistes, des artistes, des prodiges, aux talents inémarables. Au talent incroyable. Or donc, en toute simplicité, humblement, sans chichi ni blabla, sans discours pesant, long et aux tournures étranges et alambiquées, vous faisant les grâces de la rhétorique et de mon beau langage, merci de rêver, réserver un accueil triomphal à Gaston de Roche et Ernest Potsos. Potsos. Là, c'est un vrai blague. Ernest Potsos. Ernest, tu l'écris, hein. Potsos. Chansonniers au talent. Au talent. Merci. Bravo. Merci, messieurs. C'est un soir sur les bords de misère, un soldat belge qui montait la faction. Pauvre con. On passait trois cartes militaires, parmi lesquelles était le roi Albert. Qui vive là, il y a la sentinelle, qui vive là, vous ne passerez pas. Si vous passez, traînez ma baïonnette, retirez-vous, vous ne passerez pas. Retirez-vous, vous ne passerez pas. Halte là! Le roi Albert, en fouillant dans sa poche, tiens, lui dit-il, et laisse-moi passer. Casse-toi! On lui dit, la brave sentinelle, l'argent n'est rien pour un vrai soldat belge. Dans mon pays, je cultive la terre, dans mon pays, je garde les brebis. Et maintenant que je suis militaire, retirez-vous, vous ne passerez pas. Retirez-vous, vous ne passerez pas. Halte là! Le roi Albert dit à ses camarades, fusillons-le, c'est
un mauvais sujet. Casse-toi. Fusillons-le à la lueur des astres. Fusillons-le, c'est un mauvais sujet. Fusillez-moi, lui dit la sentinelle. Fusillez-moi, vous ne passerez pas. Si vous passez, craignez ma baïonnette. Retirez-vous, vous ne passerez pas. Retirez-vous, vous ne passerez pas. Halte là ! Mais tout le monde ! Le lendemain, on prend conseil de guerre. Le roi Albert lui demanda son nom. Dupont ! Tiens, lui dit-il, voilà la croix de guerre. La croix de guerre et la décoration. Que va-t-elle dire, sa bonne et tendre mère ? Que va-t-elle dire en le voyant si beau ? La croix de fer est à sa boutonnière. Pour avoir dit, vous ne passerez pas. Pour avoir dit, vous ne passerez pas. Halte là ! Halte là ! À tous. Jaloux. Oui, un peu. Afin de financer la venue des artistes et ce majestueux décor, oh, oui. Propice à une soirée féerique et enchanteresse, nous avons dû nous plier à quelques concessions imposées par l'état-major du 110e RI. Quelqu'un réclame donc. Tout d'abord, un message personnel. Le capitaine Philippe de la 7e compagnie du 91e cède à la vente un camion de transport, état quasi neuf. Très peu roulé, 220 000 km. Vitesse de pointe, 30 km/h en pente, mais souvent arrière. Parfait. Pneu avant et arrière a changé. Aile avant gauche a changé. Porte latérale droite disparue. Pare-brise inexistant. Pour récupération, prière de venir avec son propre volant. Prix de vente 10 000 francs, faire non négociable. C'est une occasion, il est neuf. Une occasion, il est neuf. Parfait. Deuxième réclame, urgent. Le caporal Tron, du 110e, a perdu sa gentillesse et sa bonhomie. Si vous les retrouvez, merci de les ramener au plus vite. J'insiste. C'est une victime, c'est une victime. Oh, une victime. Au foyer, vous trouverez une gerbe. Mais là, deux fleurs. En mémoire du mécanicien de la compagnie, mort pour la batterie. Mécanicien, batterie. Quatrième réclame, pour information. C'est la troisième. Le bataillon, ta gueule aussi. Pour information, le bataillon disciplinaire d'Afrique recrute. Voici une liste non exhaustive de prérequis. Aimer uriner dans le képi de son officier commandant. Merde. Toujours est-il, hein, c'est pour le bad daf, hein, je rappelle, hein, bien évidemment, tout ça. Préférer le soleil de l'Algérie à la pluie de la Moselle. Avoir une aversion pour la couleur kaki. Être un bon communiste ami du peuple. Aimer l'initiative et la réflexion personnelle. Cinquième réclame. Soldat courageux, mais souhaitant néanmoins rester anonyme. Troc. Accent mosellan dégueulasse contre bon accent patriotique français. Ainsi que casque à pointe et callback contre Adrien et Capote. Merci pour le temps. Sixième et dernière réclame. Enfin. Enfin. Au vu de la non-disponibilité exceptionnelle du BMC. Bâtiment militaire confortable, je le rappelle. Bibliothèque. Que nous regrettons tous. Oui. Le bouc régimentaire sera réservé à l'usage exclusif et personnel de messieurs les officiers. De 18h30 à 21h30. La troupe, quant à elle,
aura usage de 21h30 à 21h42. Mais qu'est-ce qu'il vide ? Créneau horaire estimé suffisant par le commandement. La troupe devra se signaler au caporal responsable du registre d'inscription. Là-bas. Pour rappel, il est formellement interdit de vêtir l'animal suspensionné de tout effet non réglementaire. Là, c'est important. Voilà, un cours intermède. Merci. Von Göring.
La moustache. Je suis très honoré de... très heureux de voir votre beau pays. Et soyez assurés que merci je reviendrai... Beaucoup. Nous sommes heureux de vous avoir... Soyez assurés que je reviendrai très bientôt. Très vite. Et avant de nous séparer, nous aimerions partager avec vous le clou du spectacle. Bravo. Oh bravo. 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 Bravo, messieurs, bravo. Une,
chier. Pique la tête à 10 ans. Quelle paille. Le corsaire, le grand coureur, est à la vire de malheur quand il s'en va en croisière pour aller chasser l'embête. Le vent, la mer et la guerre tournent contre le français. Allons les gars, guéguer, allons les gars, guéguer, allons les gars, guéguer, allons les gars, guéguer. Il est parti de l'Orient avec belle mer et bon vent. Il cinglait bâbord à mur, naviguant comme un poisson. Un graton sur sa mâture, voilà le corsaire en ponton. Allons les gars, guéguer, allons les gars, guéguement. Allons les gars, guéguer, allons les gars, guéguement. Il nous fallut remater et bougrement relaguer. Tandis que l'ouvrage avance, on signale par tribord un navire d'apparence à Montelet de Savoie. Allons les gars, guéguer, allons les gars, guéguement. Allons les gars, guéguer, allons les gars, guéguement. C'était un Anglais vraiment à double rangée de dents, un marchand de mort subite, mais le Français n'a pas peur. Au lieu de passer en fuite, nous le rangeons à l'honneur. Allons les gars, guéguer, allons les gars, guéguement. Allons les gars, guéguer, allons les gars, guéguement. Les boulets pleuvent sur nous, nous lui rendons coup pour coup, tandis que la barbe en fume à nos braves matelots. Dans un grand bouchon de brume, il nous échappe aussitôt. Allons les gars, guéguer, allons les gars, guéguer, allons les gars, guéguer, allons les gars, guéguer. Pour nous refaire des combats, nous avions à nos repas des gourganes et du larance, du vinaigre au lieu de vin, du biscuit pourri d'avance et du camphre le matin. Allons les gars, guéguer, allons les gars, guéguer, allons les gars, guéguer, allons les gars, guéguer. Nos prises au bout de 6 mois ont pu se monter à 3, un navire plein de patates, plus qu'à moitié chaviré, un deuxième de savate et le dernier de fumier. Allons les gars, guéguer, allons les gars, guéguer, allons les gars, guéguer, allons les gars, guéguer. Pour finir ce triste sort, nous venons périr au port dans cette affreuse misère. Quand chacun s'est vu perdu, chacun selon sa manière s'est sauvé comme il l'a pu. Allons les gars, guéguer, allons les gars, guéguement. Allons les gars, guéguer, allons les gars, guéguement. Le capitaine et son second sont sauvés sur un canon, le maître sur la grande entre, le commis dans son bidon. Ah, le sacré vilain cancre, le voleur de rations. Allons les gars, guéguer, allons les gars, guéguement. Allons les gars, guéguer, allons les gars, guéguement. Il lui fallut boire le coq et sa cuisine et son croque. Il s'est mis dans la chaudière comme un vilain pot au feu. Il est parti vent arrière, atterri au feu de Dieu. Allons les gars, guéguer, allons les gars, guéguement. Allons les gars, guéguer, allons les gars, guéguement. De notre horrible malheur, seul le calfa est l'auteur. En tombant de la grand'une, dessus le gaillard d'avant, a rebondi dans la cambuse, a crevé le bâtiment. Allons les gars, guéguer, allons les gars, guéguer, allons les gars, guéguer, allons les gars, guéguer. Si l'histoire du grand coureur a su vous toucher le cœur, ayez donc belle manière et payez-nous largement du vin dur à de la bière et nous serons fort contents. Allons les gars, guéguer, allons les gars, guéguer, allons les gars, guéguer, allons les gars, guéguer. Bravo! J'aperçois l'ombre d'un bouchon. Buvons à l'aimable penchon, chantons pour elle quelque chose. Et à ce que son entretien est bon, qu'elle a de mérité de gloire, elle m'arrive, elle aime à boire. Elle aime à chanter comme nous. Elle aime à rire, elle aime à boire. Elle aime à chanter comme nous. Qu'est-ce qu'elle aime? Avec du vin, un bourguignon fut son parrain, une bretonne sa marraine. Et à ce que son entretien est bon, qu'elle a de mérite et de gloire, elle aime à rire, elle aime à boire, elle aime à chanter comme nous. Elle aime à rire, elle aime à boire, elle aime à chanter comme nous. Qu'est-ce qu'elle aime? Elle aime à rire, elle aime à boire.
amour. Et moi, si je lui fais la course, c'est pour m'enivrer avec elle. Et à ce que son entretien, elle a de mérite et de gloire. Elle aime à rire, elle aime à boire. Elle aime à chanter comme nous. Elle aime à rire, elle aime à boire. Elle aime à chanter comme nous.